Il y a au monde de l'aide, beau de bêtises. Eh bébé, tu es prête? Je t'ai fait un petit déjeuner surprise. J'espère que tu vas aimer. Merci, mais je veux pas. Puis ça va, pourquoi tu veux pas? Je veux mettre un terme à cette relation. Comment ça, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je tiens à te dire que ça ne vient pas de toi. Tu es une très bonne personne. Merci déjà pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je me sens plus dans la relation. Comment ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de plus d'argent, plus de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, s'il te plaît. Nous n'avons pas la même vision des choses. Nous n'avons pas les mêmes projets. Et j'aspire à d'autres choses. Je vais découvrir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Et c'est pour ça que je dois mettre fin à la relation. Mais bébé, nous devons faire des découvertes ensemble. C'est ça le problème. Je ne veux pas le faire avec toi. Je ne veux pas découvrir ce nouveau monde avec toi. Pourquoi pas avec moi? Je ne veux pas. Avec qui donc? C'est pas important. Tu vois quelqu'un d'autre? C'est pas important. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Je sais pas déjà ce que j'ai fait de mal, mais donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Tu sais, nous pouvons rester des amis. Mais je peux plus être ta petite amie. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé cette nuit, subitement? Tu changes d'avis? Je dois partir. Bébé, s'il te plaît.
simplement comme ça, oui. Si simplement comme ça, s'il te plaît. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je t'ai dit. Donne-moi une chance de corriger ce que j'ai pas pu faire, s'il te plaît. Tu as été parfait, mais je vais partir. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Déjà le matin, j'ai cru que j'allais me réveiller et te préparer le petit déjeuner. Je suis désolé. Tu as bien dormi? Attends, comment je me retrouvais sur le lit ici? Comment tu t'es retrouvé dans ce lit? Because all I can remember last time is I came for prayers and I took a glass of juice and now I'm in the bed. Like, how come? Ça dit que tu ne pensais pas à ce que tu demandais hier. Non, ne t'inquiète pas, on a fait l'amour tout à l'heure. Tu as même utilisé le préservatif. Comment même ça s'est passé? Ça a même commencé comment? Hier, quand tu es venu après la prière, on s'est partagé un verre de jus. Tu as continué à dire que tu veux prendre un peu de whisky, ce que je t'ai donné. Et quelques temps après, tu m'as dit que tu voulais avoir le sexe. On a fait le sexe toute la nuit. Et je t'avoue que tu étais impeccable. J'ai vraiment aimé. Mais toi, comme monsieur de Dieu, tu ne peux même pas me dire, même si je suis même sous. Moi, je vois ça comme un avantage de pouvoir dormir avec moi. Comment je peux t'empêcher de vivre tes désirs, tes envies? Tu me suppliais de te faire l'amour. Je l'ai fait, c'était bien. Toi, tu gémissais. Honestly, I'm disappointed. Ce n'est pas ce qui m'a amené ici hier, mais je t'ai trouvé sur ton lit, donc je ne sais même pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si tu as même mis le préservatif ou tu n'as même pas mis, je ne sais même pas. On n'a pas eu le temps. C'était tellement pressé, tu voulais tellement me sentir que je n'ai pas eu le temps de mettre le préservatif. Tu voulais tellement me sentir. Oh, tu étais toute chaude. Non, moi je ne sais même pas comment on va faire. Parce que je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. Tu es monsieur de Dieu, je ne sais même pas. Monsieur de Dieu, c'est aussi un homme, non? Comment tu fais comme si en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas droit à la vie? Je suis même nue. Mais personne n'a passé la nuit à s'amuser. Oh. Et on devait s'amuser quand tu as les habits. Oh. Toi, écoute, calme-toi. Non. Oh, ma Sabine. Oh. So disappointed. Oh, my God. Ok, pasteur. Je ne sais même pas comment je dois faire. Parce que depuis que je suis venue à l'église ici, j'ai donné ma vie à Dieu. Donc, ce qui m'est arrivé, moi, je ne sais même pas comment je peux t'expliquer ça, mais ça a déjà arrivé. Je suis tombée enceinte. Et c'est ton bébé. Donc, je ne sais pas comment on va faire.
Parce que quand je suis venue à ton église, j'ai donné ma vie à Dieu. Et c'est toi qui m'as encouragée. Mais maintenant qu'on a la situation ici, on va faire comment? Julie. Oui. Quand tu dis on gère ça comment là, tu parles de toi et qui? Moi et toi? De l'homme de Dieu. L'homme de Dieu? Donc tu ne savais même pas que tu es l'homme de Dieu quand tu dormais avec moi? Je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu t'entends parler? Oui. Tu viens dans la maison de Dieu dire que tu es tombée enceinte de l'homme de Dieu? I don't even know what you're talking about. L'enfant, si, c'est pour toi. On a dormi ensemble. On a fait l'amour ensemble. Mais est-ce que c'était synonyme que tu dois tomber enceinte? Attends. Quand tu dormais avec moi, tu ne savais même pas que tu es l'homme de Dieu? Non, dis-moi. Quand tu dormais avec moi, tu ne savais même pas qu'un jour je vais tomber enceinte? Regarde, je ne suis pas ici pour discuter. Je suis venue te dire seulement que je suis enceinte. On fait comment? Je pense que tu dois aller chercher le père de ton bébé ailleurs. Tu ne peux pas te déplacer et venir dans la maison de Dieu commencer à blasphémer des choses qui n'ont ni tête ni queue. Va chercher le père de ton bébé ailleurs. Je ne comprends pas. Quand tu m'as appelé, je me suis dit que tu avais besoin d'une séance de prière comme d'habitude. C'est pourquoi j'ai laissé d'autres fidèles pour me presser là. Mais quand j'arrive, tu te mets à me raconter les trucs de tu es tombé enceinte, que tu as fait ici. Moi, je suis un peu perdu. Comment tu fais pour être enceinte d'un homme de Dieu? I don't care. I don't care. This baby is yours and I'm not ready for an abortion. Donc moi, je vais avoir l'enfant si. Et tu es le père de l'enfant. Je ne t'ai jamais dit que j'avais un projet d'avoir un enfant. Je suis ici pour prier pour vous. Pour partager la parole de Dieu avec vous. Pas pour que tu te lèves un matin comme ça. Mais je ne sais pas. C'est un piège ou c'est quoi? C'est un jeu. Pasteur, tu me fais rire. Maintenant, tu me dis que je ne suis pas une enfant. Ceci, cela. Moi, je ne gère pas ça. Hein. Donc, toi, tu fais réfléchir comment on va faire pour l'enfant si. Parce que vous, les hommes de Dieu, là, c'est comme ça que vous marchez. Depuis que je suis venue à l'église, je voulais changer ma vie. Mais quand je vois ce qui se passe, c'est comme si tu veux que moi, je retourne. Parce que j'avais même changé ma vie, mais je sais même... Tu es venu me draguer. On a fait les choses, je suis tombée enceinte. Et maintenant, je suis venue te dire comme une homme de Dieu, tu me dis que ce n'est pas ton... Si, c'est... Pardon. I don't want to get mad. I don't want to get angry. I don't want people to come here. This baby is yours. I'm having this baby. Tu as décidé d'avoir l'enfant. Ça veut dire que tu avais un projet. Je ne vois pas en quoi, subitement en cours de route, je fais partie de tes projets. Va faire ton enfant ou va faire de ton enfant ce que tu veux. Mais en tant qu'homme de Dieu que je suis, Non, ça ne m'intéresse pas. Attends. Maintenant, c'est mon projet. Hein? Maintenant, c'est mon projet? Non, moi, je ne peux pas prendre ça. Donc, il faut réfléchir comment tu vas faire avec l'enfant si. Because I'm not ready for abortion. Moi, je ne suis pas... I'm not there. I'm not interested in anything you're saying. You got me pregnant and I'm having this baby. I'll be ready to be a father. Je m'en fous. Si tu es un homme marié, si tu as les enfants, je m'en fous. Si tu es un homme de Dieu, je m'en fous. Donc, il faut réfléchir comment tu vas faire avec l'enfant si. Oui. Comme je parle, tu... Non, I don't want problem. I just want the father of my baby. Period. Ma fille. Je ne suis pas ta fille, monsieur. Si tu veux la prière, je suis disponible à prier pour toi. Mais autre chose, je ne pense pas que je sois la personne adéquate pour le faire.
Si tu veux la prière, tu te mets en position de prière. J'invoque mon père pour toi. Regarde, regarde, pasteur. Je ne suis pas ici pour bavarder. Je te dis que tu es le père de mon enfant. Et ça reste comme ça. Donc même si tu montes tous les sens, c'est ton problème. Oui, et moi, je ne veux pas avoir un problème avec toi. Oui, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Quand vous marchez là, vous faites les bêtises dehors et vous dites que vous êtes les pasteurs et tout, tout. Ça ne me gêne pas. Tu as dormi avec moi et c'est ton enfant. Donc, il faut réfléchir comment tu vas faire. Oui. Moi et toi, on va se voir. Donc, je ne suis pas là pour les bêtises là que vous êtes en train de... Non, c'est ton bébé ici. This is your baby and I'm having this baby, period. So, I don't really care what the trash you're saying. I don't really care. Have a nice day. Chérie, tu sais, une fois que nous allons finir notre rencontre avec le pasteur, j'aurais souhaité que nous puissions programmer notre mariage pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas trop tôt. Non, c'est pas tôt. Je pense que c'est le moment parfait pour toi et moi de pouvoir officialiser devant l'homme de Dieu et de pouvoir vivre notre vie ensemble, car je ne peux plus supporter une seconde de vivre sans toi. Es-tu prêt pour cela? Bien évidemment. Et je pense que c'est le moment parfait pour toi et moi de faire notre vie pour l'éternité. Ok, et si tu le dis. Tu sais bien que je t'aime énormément. Je t'aime aussi, bébé. Ah, les enfants. Je suis désolé, j'ai eu un appel et merci le pasteur. J'ai prié pour quelqu'un. Merci le pasteur. Laura? Mais pasteur, vous connaissez ma fiancée? Pasteur, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Attends. C'est d'elle que tu me parlais? Oui, c'est bien d'elle. C'est ma fiancée. Et nous sommes venus auprès de vous pour solliciter votre bénédiction pour notre mariage qui est prévu la semaine prochaine. Attends. Donc, c'est elle que tu veux épouser? Bien évidemment, c'est ma fiancée. Et je suis venu la présenter auprès de toi pour avoir votre bénédiction pour notre mariage qui sera prévu pour la semaine prochaine. Tu veux que je vienne célébrer votre mariage? Oui, bien évidemment. Laura, c'est sérieux ce qu'il est en train de dire là? Non, mais attends, écoute. Laura, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pasteur est si étonné de te voir avec moi? Je sais pas. Tu ne sais pas quoi? Mais pasteur, hey, de quoi vous parlez finalement? Je suis... Tu es son fiancé? Oui, c'est ma fiancée. Laura, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Je ne peux pas donner ma bénédiction pour un tel mariage. Mais quelle est la raison? Pourquoi vous ne voulez pas bénir notre mariage? C'est ma fiancée et nous sommes venus vous voir. Vous êtes mon pasteur. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Mais pasteur, pouvez-vous me donner une raison pour laquelle vous n'allez pas célébrer notre mariage? Parce qu'elle et moi, il y a quelques jours, on parlait de mariage, de l'idée de se mettre ensemble. Mais comment est-il possible, vous, un homme de Dieu, pasteur, au lieu de nous accompagner, nous, vos fidèles, et vous êtes là à prendre les fiancés de vos fidèles? Est-ce possible? Écoute-moi bien. Comme je t'ai dit, je ne peux pas célébrer ce mariage. Arrêtez ça tous les deux. Arrêtez-moi ça. Chacun d'entre vous a une place spéciale dans mon cœur. Toi comme lui. Alors, si vous ne pouvez pas accepter cela, que chacun prenne sa route. Ah, ok. Donc comme ça, vous n'aimez pas partager. Mais vous aimez bien partager les femmes entre vous. Ok, c'est d'accord. Soit vous m'acceptez tous les deux, soit vous dégagez. Hein? Trouver une place dans ton cœur? Donc, tu veux insinuer que le pasteur aussi, c'est ton mari ou bien ton fiancé? Attends. Donc, la dîme que je prends à l'église tous les dimanches pour t'entretenir. Mais pasteur, tu m'amènes les fidèles pour me dire que chacun de nous a une place dans ton cœur? Pasteur, donc, nous les fidèles, on donne l'argent à l'église et c'est cet argent que tu te sers pour aller... Tu crois que je vis de quoi?
Tu vis de quoi? Mais ce n'est pas mon problème. Si tu es un bon de quoi? De prendre l'argent des fidèles pour aller donner à ma fiancée, ça ne se passera pas comme ça. Vous ne pouvez pas troquer votre Bible, la parole de Dieu, pour venir contre les femmes des gens dans l'église. Monsieur, ce n'est pas normal. Donc tu viens dans ma maison me dire comment je vais vivre. Je suis venu avec ma fiancée pour demander votre bénédiction. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Moi, je vais me marier avec ma fiancée. Et je ne vous donne pas l'autorité de pouvoir parler ainsi à moi et à ma fiancée. Est-ce que vous comprenez? Et je n'ai plus l'autorité, la possibilité de vous appeler même pasteur. Et tu penses que je peux bénir ce mariage-là? Mais pourquoi vous n'allez pas bénir ce mariage? Je viens de te dire il y a quelques secondes que cette fille et moi, on a un projet de mariage. Projet de mariage? Tu comprends pas quoi dans ça? Donc, vous, votre rôle de pasteur, au lieu d'accompagner les fidèles à se marier, vous êtes là à prendre les fiancés des autres? Donc, pour vous, le pasteur n'a pas droit à la vie. Mais je pense que vous n'avez même pas le droit de pouvoir être pasteur. Et vous avez troqué votre Bible, la parole de Dieu, pour faire des choses pareilles, pour prendre les fiancés des autres. Et vous croyez, vous pensez que c'est normal? Et vous vous appelez pasteur? Mais vous n'êtes pas dans la catégorie d'un homme de Dieu, vous. Et je pense que tu dois ou ne pas célébrer ce mariage. Je vais aller épouser ma fiancée. Sors de chez moi. Et je vous rassure Hors de chez moi. Une chose, c'est que cette dame, c'est ma fiancée. Et je l'aime. Nous nous aimons. Nous allons nous marier contre vos maris. Que vous soyez d'accord ou pas, je me marierai avec elle. Et je vous tiens en garde. N'essayez pas de rôder autour de notre relation. Alors, après tout ce temps passé ensemble, princesse, comment tu te sens? Je me sens bien, même si je suis toujours inquiète. Je me pose toujours la question, comment vont réagir tes fidèles? Je comprends ton inquiétude. Mais je ne pense pas que ça devrait être un problème. Tu vois, mes fidèles ont leur vie. Et nous, la nôtre. Donc, ce qu'ils pensent de ce que nous vivons ne nous importe vraiment pas. Ok. Tu as une seule question que tu devrais te poser. Est-ce que tu es heureuse? Je suis heureuse, mais il y a toujours ce mais. Écoute, ce qui importe, c'est ta joie, c'est que tu sois heureuse. Le reste, je peux t'avouer que je m'en fous. Et puis, si demain, après-demain, on se marie, où allons-nous vivre? À l'église? Écoute, l'église, c'est juste mon lieu de service, tu vois. J'y vais juste pour prêcher la parole de Dieu tous les dimanches. Et surtout, avoir la dîme que nous avons pour mener une belle vie. Écoute, bébé, si on se mariait demain, forcément, on prendrait une maison. Ouais. Alors, j'aurai le droit de choisir l'état, le prix, la ville. Écoute, tu choisis où tu veux qu'on soit. Sérieux? Et on y va. Je t'ai dit, je ferai tout pour toi. Vraiment? Tes désirs depuis le jour que j'ai posé mes yeux sur toi sont devenus. À combien de femmes dis-tu cela? Non, juste à toi. Juste à toi, je suis sérieux. Écoute, j'ai vraiment envie qu'on soit heureux. J'ai envie
de traverser cette vie de l'église, vivre une autre chose, tu vois. Mais il y a une chose dans l'église que parfois, quand je reste, je dis, mais écoute, la dîme, la dîme. Parfois, je reste, je prie que le dimanche arrive. Tu peux pas savoir. Laura! Wow. Laura! Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois flou ou quoi? Tu veux comme le pasteur chez moi? Je te regarde pas. Tu dis que ça me regarde pas? C'est pas tes oignons. Je paye cette maison. Tu payais. C'est pas ta maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux comme le pasteur? Et en plus, vous entrez vous amouracher. C'est ma maison. Et je le paie. Bébé, dis-moi. Tu n'es plus obligé de payer. S'il te plaît, dis-moi. Tu es toujours avec lui? Non. Attends, tu as le pasteur maintenant? Oui. Waouh! Oh, le problème. Qu'est-ce qu'il c'est veut? C'est pas ton problème. Je calme ta chérie. Tu l'appelles chérie, le pasteur? Mets-toi dehors. Mais chérie, c'est tous les hommes qui sont sur cette terre. C'est le pasteur que tu as vu. C'est mon choix. Te regarde pas. Ça te regarde pas. Je travaille dur pour payer cette maison et tu me dis comment ça me tu as fait pour entrer ici? J'ai le code de cette maison, madame. Ok. Dehors. Chez moi, tu me mets dehors. Laura. Mets-toi dehors. Mais chérie. Mets-toi dehors. Mais chérie, qu'est-ce que tu comprends pas dans ça? Fini. Le pasteur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce qu'elle dit? Tu peux sortir? Dehors. Écoute, Ricky. Tu n'as pas peur de Dieu? Ricky. Avant que tu n'arrives, on était en train de passer mais pasteur, du très bon temps. S'il te plaît. Chez moi? On passait du très bon temps en amoureux. Tu peux nous laisser tranquilles? Tu me connais très bien, n'est-ce pas? Tu connais mon côté animal, n'est-ce pas? Tu me connais aussi. Tu me connais aussi. Pasteur! Toi et moi, on a des comptes à rendre. On a des comptes à se rendre. Mets-toi dehors! C'est deep. Et arrête de nous amener. Mets-toi dehors! Tu fais pitié, Laura. Le merci. Pasteur, Seigneur. Le merci. Pasteur! Dehors! Tous les hommes sur cette terre, c'est le pasteur. Mets-toi dehors! Mets-toi dehors! Si vous êtes en couple, je vous maudis! Tous les deux. Maudis-nous. Mince. Juste mets-toi dehors. Laura. Dehors. Laura. Dehors. Laura. Mets-toi dehors. C'est Ricky qui te parle. Ricky. Peu importe. Ricky, Kiki, Washi. Je n'en ai rien à foutre de tout ça. Mets-toi dehors. À cause de ce gang. C'est pas ton problème en fait. Sors. Mais putain. Sors. Mets-toi dehors. How? Mets-toi dehors, s'il te plaît. C'est Ricky. Ne t'approche pas. Chérie, c'est Ricky. Dehors. Est-ce que tu peux te mettre dehors, s'il te plaît? Mets-toi dehors. Mais bébé. Mets-toi dehors. Pasto, va m'attendre à l'église. Nous ne sommes pas dimanche. Quelle église? Nous ne sommes pas dimanche, là. Tu penses que je n'ai pas eu vie? Je vous maudis, vous deux. Maudine autant que tu veux, mais mets-toi dehors, s'il te plaît. Quelle maison que tu payais, même j'avais toujours les arriérés de loyer. N'oublie pas ta dîme le dimanche, s'il te plaît. On en a besoin. Dis-moi. La dernière fois, tu m'as dit que tu avais clarifié les choses avec lui, non? C'est terminé. Je sais même pas ce qu'il est venu faire ici. Je sais que c'est toi que j'aime. Tu sais ça ou pas? J'aime l'art de parler. Je sais que c'est toi que j'aime. Ce qui est bizarre, c'est que tu arrives à trouver les justes mots pour me faire me calmer. Allez, j'aime. Qu'est-ce que ça te dirait si ce week-end je t'amenais à Vegas? Vraiment? À Vegas? Ouais. Dis-moi, c'est pas parce que tu viens de voir mon ex que tu en veux blague? Non. C'est sérieux? Je dois te faire plaisir. On aura. Non, on a d'abord une quête ce mercredi. Mm-hmm. Ça va rapporter. Et en plus, la dîme du dimanche, on s'en vole!
Vegas. Là, je suis d'accord. Las Vegas. Vegas. On ira chez Floda. Tu le connais, Floda? C'est le PDG de Talian TV.